Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je rentre de cours, je suis explosée. À vrai dire, j'ai été à Carrefour et aussi j'ai fait des courses. Tout ce que je vais vous montrer, il y a encore le plein de travail, les blindax, alors qu'il en reste encore. Alhamdoulilah, mashallah, je me comprends. Donc, franchement, c'est un énorme retour de course. Donc, buvez quelque chose, faites quelque chose, parce que je vous dis que même moi, là, pour ranger et tout, ça va être un truc de ouf. Et je sais qu'on est toutes pareilles quand on range nos courses. Ah, alors, dedans, il y aura du congelé, des choses, des placards, du grignotage, de tout, du frigo. Il y aura de tout, de tout, de tout, de l'alimentaire, donc des choses hygiènes, de tout. Tout ce qui est ménage, etc. Donc, on y va. On va commencer par tout ce qui va dans le frais, les congelés, etc. Après, on ira dans les gourmandises. Ah, les gourmandises, les gourmandises, allez voir, vous n'êtes pas prêts. Donc, hop, tout ça à mettre. J'en ai pris deux comme ça. J'en ai pris deux comme ça. Donc, ça, c'est des brocolis. Ça, c'est des choux-fleurs. Ouais, je ne sais même pas par quoi commencer ça. C'est un truc doux. J'ai pris comme ça de l'ail, j'aime bien comme ça. Donc, là, c'est retour de course au champ. Vous avez saisi, les amis. On va essayer d'aller vite. Je prends comme ça au pif pour vraiment qu'on range le plus rapidement possible. Donc là, c'est de la jeune pousse comme ça. J'en ai pris normalement. Oui, c'est ça. Il y en a deux. Next, j'ai pris quoi? J'ai pris des échalotes comme ça. C'est bon. Ah, là, voilà, les amis. J'ai pris de la crème légère. J'ai pas pris celle-là normalement. Mais écoutez, à mon avis, il n'y a pas dû avoir celle que j'ai prise. Mais c'est pas grave. Crème légère comme ça, pousse. Hop, hein, de 15, je sais pas quoi d'ailleurs, crème épaisse tout simplement, mais 15% de matière grasse. J'ai pris deux comme ça, des chocos fraîches, mes petits enfants kiffent, de la marque Kinder. Allez, next. J'en ai pris trois comme ça, des Kinder Pinguin. Elle kiffe aussi. Frigo. La Kinder Maxi comme ça, j'en ai pris deux. Hop. En fait, il y en avait trois ou il y en avait trois? Normalement, c'est ça. Il y en a trois. Je me suis trompée. Tiens, chérie. Là, j'ai pris mozzarella comme ça. Trois également de chez la marque Auchan. Elevir, pareil. Du beurre comme ça. Un nombre de trois. Le beurre doux. Alors là, c'est un maxi format. C'est des, vous savez, des olives entières. Et c'est marqué cassé à l'ail. C'est délicieux. Croque frais. Comme ça, mais franchement, j'en ai déjà pris, c'est délicieux. Alors, mes enfants, j'ai pris du stracciatella comme ça. Il y en a quatre à l'intérieur de la marque Nestlé. C'est les yaourts grecs comme ça. Fromage comme ça, caprice des dieux, le grand format. Du bleu comme ça. C'est délicieux, on a la dalle. J'ai pris des cheesy comme ça, vous savez. Auchan, il y en a 18 tranches, donc 18 et 18, 36, donc deux paquets. Moi, je me suis pris ça, les Lerdammer, comme ça, par deux. Donc là, il marque léger et fruité. 16% de matière grasse, c'est déjà énorme. Mais ça va comparer à d'autres, on va dire ça comme ça. Là, c'est à mettre au frigidaire, c'est délicieux. Deux paquets également. Donc là, c'est fondant et croustillant. C'est des bouchées de mozzarella de la marque Galbani. Un comme ça à l'unité, c'est les mini Saint-Paulin comme ça. Et il y en a 6 fois 20 grammes, donc le fromage. Je vous montre dans le désordre, hein, vous savez, hein, je vous montre pas forcément du Babybel. Du Babybel, alors là, c'est des combien par 20, autant pour moi. Oui, voilà. J'ai pris, moi j'aime bien dans la salade parfois du chèvre comme ça. Je trouve ça tellement bon avec la salade que je vous ai montré tout à l'heure. C'est plus que jeune pousse. Donc là, c'est du soignon comme ça, bûche de chèvre, hein, tout simplement. Gorgonzola, comme ça. Du yaourt nature, comme ceci. Il y en a quatre. Ça, c'est pour faire des gâteaux. Là, j'en ai pris deux. L'autre, je ne sais pas où il est, mais c'est du concombre. Comme... Du Saint-Félicien, comme ça. C'est délicieux aussi. Hein. Après, il y en a, ils sont pasteurisés. Et il y en a, c'est les crus, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, bref, de chez Auchan. Des radis, vous savez, tout simple comme ça, vous savez, les ronds, je les aime bien ceux-là. Franchement, je les trouve très, très, très bons. Alors, on passe du coq à l'âne. J'ai pris trois pizzas comme ça, méga cheese XXL, donc cheddar, mozza, oignon rouge et emmental. Donc, trois. Alors, ici, nous avons des. Je les ai pris pour moi, ceux-là. C'est des Hipro de la marque Danone, 15 grammes protéines vanille. J'en ai pris deux comme ça, et bah, deux comme ça, et deux comme ça fait quatre, hein, j'ai envie de dire. C'est des Danone vanille, voilà, protéinés comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais goûter, je vais voir ce que ça donne. Du porc salut comme ça, mon mari il aime bien ces fromages-là.
des bananes comme ça, il y en a je crois 500 grammes ou 5 pièces ou je ne sais combien. Ensuite, la vache qui rit, Starbucks, j'en ai pris au moins 2-3. J'ai pris du pain au chocolat comme ça. Alors là, je vous les conseille, je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà pris. C'est délicieux, franchement, on va courir mettre ça au congé. Et c'est vraiment très très bon. Donc c'est de la marque Auchan et il y en a 6, donc il y en a 12 en tout parce que j'ai pris 2 paquets. Là, il me semblait en avoir plus. Je perds la tête, je suis épuisée, ouais, exposée, épuisée, c'est la même. Donc là, c'est 4 fromages. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah non, c'est pas la même chose, ça, c'était les Milka XXL et là, c'est les 4 fromages comme ça. Ok, bon, bah, ben, c'est de la marque Auchan, de toute façon, là, il y en a 2. J'ai pris des comme ça. Donc, Isla Delis Halal, les nuggets, cette fois-ci, il y en a, eh ben, x20. Sauf, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 2 paquets. 3 paquets et 4 paquets parce que chez moi ils kiffent ça. Donc il y a des choses que je vais mettre dans congélateur en bas, vous savez, tout ce qui est doublon, nanana, et un petit peu, vous savez, par unité ici, et tous les doublons en bas. Là, je me penche et je reprends cette chez Findus des croustibats. Qui peut se battre? Bah, c'est Findus. Alors, petit trésor, donc c'est des petits colin comme ça en forme de poisson, d'étoile, etc. Et c'est trop mignon, j'en ai pris 2. Le poisson pour les enfants en forme comme ça, moi je trouve ça super sympa. On passe du coq à l'âne, il y a encore d'autres trucs, mais il faut que j'aille plonger là-bas. La macédoine de légumes, moi j'aime bien ça, j'ai pris ça. Là j'ai pris la jardinière de 4 légumes pour moi aussi, je trouve ça sympa, etc. etc. Après j'ai pris aussi en bio carottes. Alors attendez, petits pois carottes, j'en ai pris 2 comme ça. De la marque Auchan. Voilà, donc tu es en conserve normale et conserve en... Ah, moi, je prends de tout, de tout conserve, pas conserve. Ouais. Je prends tout ce qui bouge, j'ai envie de dire, oui. Ah, je passe encore du coca. Là, ma fille voulait une brosse, donc elle s'est pris celle-ci. C'est la Jacques de Sange. Donc là, c'est cheveux longs, comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas combien ça vaut, ça. Hein. T'as même pas regardé, chérie. Moi, j'ai pris quoi? Là, c'est pour très rapide, là. J'ai pris un... Vous savez, c'est des petits trucs comme ça qu'on ouvre et ils nous racontent, en gros, l'histoire de France, etc., etc. J'ai trouvé ça pas mal. Ça m'a bien fait rire en regardant. L'école primaire, pareil, explication. Et là, le corps humain. Je sais pas si j'en ai pris que 3, mais bon. Ouais. Next. La nourriture, c'est pas fini. Attendez, je vais les chercher. Jardinière, 4 légumes. J'en ai encore 2 autres. Bon bah écoutez, je sais plus. Je sais plus, je perds là, ça y est, elle est partie là. Je suis trop épuisée là. Des comme ça, de l'huile, je sais que l'huile, il y en a d'autres là-bas. Et j'ai pas fini parce qu'en fait, les boissons sont dans la voiture. Oui, oui, il faut qu'on aille récupérer toutes les boissons dans la voiture, dans le coffre. Exact, exact. C'est génial. Alhamdoulilah, je me comprends. Donc l'huile de tournesol, il me semble en avoir pris 6. Là, j'en ai que 2, mais normalement, il y en a 6. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai pris 5 comme ça, c'est des pizzas au saumon, crème plus fromage Masdam, cuite au feu de bois comme ça, de la marque Auchan. Donc, hop, encore une fois, on va mettre ça en bas. Ah, j'ai fait la bêtise, j'ai pas fait exprès. Oh là là là. Ah les amis, pendant qu'on y soit, bah oui, pendant qu'on y soit, pour booster la chaîne, pour me faire plaisir, surtout les likes, les amis, les likes, ça fait toujours du bien, ça fait du bien à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir, les commentaires, les partages et l'abonnement, bien sûr, si vous aimez. Après, on se comprend, hein, c'est si vous aimez, bien sûr. Là, c'est des... Moi, c'est marrant, ils ont mis ça, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu arriver ça, là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est après que j'ai réagi. Une petite abeille, comme ça, toute mignonne, et c'est marqué délicieux frais bio. C'est des raisins. J'en ai pris 2 comme ça. 2 fois 500, je crois, ou quelque chose comme ça. Je suis dingue de ça. Et ça, c'est des moulets dedans. Il y a combien? Eh ben, je ne sais guère. 3 litres. Et ça se finit le 6-9. Ok. Et là, le 6-9, ça va. On a le temps. On est tranquille. Et ce soir, d'ailleurs, je vais en faire. Parce que ça met 2 secondes chrono. Et mes enfants kiffent ça aussi également. Mais c'est pas tout. Mon mari, il n'est pas fan. Ma fille, ma grande, n'est pas fan. Mais le reste, alhamdoulilah, sauf mon bébé. On va voir ce qu'on va faire. Ouais, on va cuisiner 2-3 petites choses. Et puis voilà, ça plaira à tout le monde comme ça. Ça, c'est saveur crevette. Des yum yum. Vous savez, les nouilles chinoises comme ça. Bah, j'ai pris 4 paquets. Ouais, exactement. 4 paquets comme ça. Ceux-là, j'en ai pris combien, chérie? Et là, ceux-là, c'est les chicken. Ça, j'ai pris qu'un seul. Vous savez, ma princesse qui reste avec moi, l'esprit, ma dernière. C'est des petites pâtes comme ça, alphabet, elle kiffe. Les curry comme ça, toujours de la marque Yum Yum.
forme. Gâteau comme ça, format familial. Là, c'est je passe du coq à l'âne. Hein. Et j'en ai pris 3 comme ça. En tout, il y a 50 biscuits. Goût chocolat, c'est les mini BN comme ça. Et moi, je sais que mes enfants, ils aiment bien quand c'est mini. Raffaello, tablette comme ça. J'en avais déjà pris. C'est noix de coco et amande. Une. Des comme ça. Vous savez, les œufs surprise. Bah là, Marco Chan, comme ça, il y en a 4. Il y a les paquets comme ça de Lu. Les barquettes, là, j'en ai pris plusieurs. Il n'y a pas que celle-là, normalement. Là, c'est fraise. x2. Ensuite, brownie. Ça, c'est mon mari comme ça. Ouais, quoique je dis ça, mais mes enfants aussi, comme ils disent. Ah, j'ai acheté du vernis. Toi, je vais vous montrer. De toute façon, j'ai pas fini. Donc là, le brownie, comme ça, choco pépite. Vous savez, c'est les pockets, etc. individuels. Ça, il y en a qu'un seul. Ça m'étonnerait. Ça me semble bizarre. Alors, family pack Kinder Cards. Il y en a combien par paquet? Il y en a 10. Là, il y en a un deuxième. Et là, c'est pas la même chose. Voilà, 2. Ensuite, des comme ça, je pense pas en a... J'en ai pris 4. Je vais éviter le bruit. Mais là, je les vois, il y en a 2 devant moi. Et 2 autres comme ça, c'est des mini sneakers, tout simplement. Hop. Des Maltesers, je sais pas combien j'en ai pris. Là, j'en vois... Ah, bah si. J'en vois 2. Hop, next. Je vois des pâtes comme ça. Mickey pour ma princesse. C'est épinards et tomates, je pense. Et blé. Mais c'est... C'est la bande à Mickey, j'ai envie de dire, donc c'est top. Là-dessus, j'en ai pris 2 comme ça. Donc là, c'est 3 sachets emballage fraîcheur de 125 grammes. Lu comme ça à la framboise, cette fois-ci, des Twix comme ça, chocolat blanc. Des, comment ça s'appelle ça, le Brookie Pocket Choco Pépite de chez Brossard. Ils sont durs ceux-là un petit peu. C'est ma fille qui avait goûté avec mon mari. Je crois qu'ils sont un peu durs ceux-là. Mais je ne suis pas sûre. Un paquet de ça, il y en a combien? Il y en a 2. Elles avaient kiffé, je m'en rappelle. Donc, je me suis trompée avec les autres. Mais quoique, ça vous fera des... Parce qu'en fait, moi, ce que je vais faire, comment je vais organiser là? En même temps, je vous le dis très rapide. C'est-à-dire que dans mon... Dans ma... Oh là là, dans mes placards, vous savez, je vais mettre par exemple une ou deux unités et tout le reste, je vais les descendre en bas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça fait pas 4 milliards comme ça. On ne voit plus rien. Au secours, on voit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça, vous avez compris, il y en a 2. Langue de chat, comme ça, il y en a 2. Moi, je kiffe même pas, il y en a 3. Avec mon petit déj le matin, comme ça, les langues de chat, moi, je kiffe. J'ai pris Gerlinéa, comme ça, et il me semble pas en avoir qu'un seul. Là, j'en vois qu'un, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait qu'un. 1, 2, et c'est du vanille citron. Gerlinéa, comme ça. Là, c'est quoi? J'en avais envie. C'est marqué chocolat céréal. Je ne connais pas. Si vous connaissez, dites-moi. En cas équilibré. Eh bien, écoutez, moi, je ne contredis pas. Je ne connais pas. J'ai pris ça. Donc, ceux-là, je les ai déjà goûtés. Et ils sont bio. Il fut un temps, je ne sais plus quand, il y a des années en arrière. Je suis franche, il y a des années en arrière. Je les avais goûtés et j'ai bien aimé. Alors là, c'est fourré au chocolat au lait, comme ça. Oh, c'est délicieux. Là, j'en ai pris qu'un de ce que je vois. Ça, là, j'en vois qu'un aussi. Donc, c'est des granolas, de la marque granola, du moins des brownies. Il y en a 6 comme ça. J'ai pris ça pour mes gosses. Donc, ça, c'est des langues comme ça ou je sais pas. De la marque Lutti. Des mi-chocos comme ça. Elles aiment ça. Ensuite, là, il y en a 4 des paquets comme ça. Donc, c'est des chips de chez Auchan. Saveur crème oignon. J'en ai... Ah là 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 là, on va s'en sortir les amis, je vous le dis. Courage. J'ai rajouté des... Là, je ne les ai pas pris en mini, parce que tout à l'heure, les stickers, j'avais pris en mini, mais là, non. C'est des marques comme ça, il y en a 12. Voilà, vous connaissez ce que c'est. Hein. Là, encore pour moi, là, par contre. Envoyer des boîtes un peu chelou comme ça, c'est pour moi, parce que eux, mes enfants et mon mari, ça n'ont pas du tout, voyons. Alors, c'est des sablés nature, il y en a 9 biscuits à l'intérieur. Je vais voir si j'aime ou pas, je ne connais pas ceux-là. Des brownies comme ça, il y en a 2. Alors ouais, super. Alors là, n'importe quoi. De chez Saint-Michel. Et il y en a combien? Parce que là, décidément, je vous montre n'importe comment. Il y en a 8 par boîte. Vu qu'il y en a 2 boîtes, il y en a 16. Il y a des Oreos. J'en ai pris qu'une, chérie. Donc là, c'est des Oreos. Il y en a 10. Mais vous avez les sachets comme ça, individuels. Hein. Ça, c'est moi. Cigarette russe, de l'acre. Moi, je kiffe le petit déj goûté, peu importe. J'aime trop, franchement. Alors là, délicieux. Des 40 sacs. Et ça, j'ai pris ça. Non, faut que je vous le dise.
C'est pas pour moi, c'est pas pour chez nous. C'est quand mes parents vont venir à la maison, surtout ma maman. Parce que ma maman, qui ça? Oui, oui, elle, ma maman aime ça, c'est son kiff, je la comprends. Donc, on fait plaisir aussi à nos parents. Là, c'est des balistos. Alors là, j'ai pris un paquet x9 comme ça, c'est amande et miel. Et l'autre qui est balisto toujours, mais c'est quoi? Goût fruit des bois. Moi, je me rappelle de ça quand j'étais... Moi, je vous jure, c'est vrai, c'était soit la primaire, soit la maternelle. Parfois, ils nous en donnaient. Je me rappelle, j'avais goûté, etc. Je me rappelle d'un souvenir, mais waouh, le souvenir. C'est des souvenirs d'antan, quand on dit. Ça, on verra ce que ça va donner. Les mini rochers à la noix de coco de chez Auchan. Ceux-là, je ne les ai jamais goûtés. On les a goûtés, ceux-là? Moi, ça ne me dit rien. Donc, on verra un petit comme ça de temps en temps, et de histoire de se dire, ah, Arkika, c'est des visières. Là, véritable petit beurre. Vous connaissez tous de chez lui. Moi, j'aime bien aussi le matin. Là, il y a combien de paquets des M&M's? 6. Non, 5. Pas combien de paquets? Combien de paquets? 3. Oui, non, parce qu'il y a marqué 5. Mais 1, 2, 3. Avec celui-là, ça fait 4. 4 comme ça. On continue avec les gourmandises, bien sûr, pendant qu'on y soit. Alors là, c'est... Merci. C'est une marque que je ne connais pas. Je suis franche avec vous. Hein. Pur chocolat suisse, c'est marqué Villard. Et c'est au lait suisse, donc 33% cacao, etc. Elle est comme ça. C'est une tablette tout simplement de chocolat, comme ça. Une autre de chez Lin Création, crème brûlée, comme ceci. Une autre, toujours Lin Création, mais rocher, comme ça, au lait. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. Ici, c'est praliné feuilleté Lin Création et toujours Lin Création. Et je vous jure que vous voyez là devant moi, c'est même la tour Eiffel, elle est petite. Machin, ouais. Ça, je l'ai pris pour moi. Je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça va donner. C'est des Granny. Vous savez, c'est des barres, la marque Granny, hein, Lu. Chocolat 5 céréales. J'ai pris un comme ça. On en a à la maison, on a du Dove et tout. Mais j'ai voulu mettre ça. J'ai voulu changer. Oui, mais je savais qu'à un moment donné, mon crâne allait là-dedans. Et il voulait se dire, allez, tiens, on va changer. Donc, Sanex. Alors, pH, balance, dermo. On verra. Hein. 24 heures antitranspirant. Bon, bref. Sensitif, comme ça. Moi, je suis très, très sensible. Donc, un comme ça. Et j'ai pris un autre, mon savon. J'arrive plus à parler, mais c'est un truc de ouf, là. Mon savon au lait. Fleur de coton, toute légère. Anti-humidité, zéro alcool. Ouais. Parce que moi, je suis tellement sensible, je vous dis même pas. Maintenant, des Smarties. Eh oui, non, mais je vous ai dit là, c'était le moment grignotage, les moments gâteau, grignotage, tout ce que vous voulez. On s'est dit, pour moi, c'est la même chose. Donc, en fait, là, il y en a 22. 22 boîtes et 22 boîtes. Ça, c'est de la marque Lotus. J'en ai pris deux. C'est les dinosaures, comme ça, en sachet individuel. Je trouve ça trop mignon. Pour... Je vais pas vous montrer les quatre, mais il y en a quatre, des comme ça, des spicy, comme ça, donc les Lay's. C'est ça. 1, 2, 3. C'est ça, Kika, tu sais compter. Et vu que ça fait du bruit, ça me casse la tête. Donc, c'est bon, ça sert à rien de... Moi, je sais qu'il y en a 4. Donc, voilà. C'est vraiment les grosses courses. Oui, oui, machin. Moi, là, il y en a un comme ça. Je sais pas. Il faudrait qu'ils goûtent et qu'ils me disent s'ils aiment ou pas pour savoir si un jour on rachète ou pas. Saveur tomate mozzarella. Moins 40% de matière grasse. De chez Vico. De quoi? Chips de lentilles. Chips de lentilles. Ça, on va goûter, hein. Même maman goûtera une pour voir ce que ça coûte. Parce que ça... Ce que ça fait, si c'est bon ou pas, vous avez saisi. Et maintenant, les croquis, comme ça. J'ai voulu changer également. Donc, j'ai pris cette marque-ci. Ketchup. Parce que moi, j'ai mes bébés qui aiment bien, surtout Nesrine. Et oui, quand on fait des courses, on pense à toute la Mifa, machin. Là, on a rangé. C'est toute une organisation, hein, les gâteaux, les ceci, les cela. Il faut monter, s'il faut descendre, ça, il faut mettre ça là, il faut ranger là. Bref, c'est fait. C'est pas encore fini, mais alhamdoulilah, le plus gros est fait. Donc, on continue avec... j'ai pris des petites soupes comme ça. Ça peut être sympa. Moi, je sais que j'aime bien ces trucs-là. Moulinet de 10 légumes comme ça de chez Roaco. J'en ai pris deux. J'ai pris ça pour moi. Donc, 100% mie complet. Donc, de chez Harris, quand je perds des petits sandwichs, vous savez, j'en prends que un. Je mets, par exemple, dedans une tranche de dinde, pelle, tout ça, tout ça. Je fais ma petite vie, quoi. Et franchement, c'est plutôt sympa si vraiment, j'ai pas trop de temps ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pour mes enfants. J'en ai rajouté un autre, alors qu'il y en a, mais j'ai préféré rajouter 100% mis sans sucre ajouté.
toujours Marc Harris. Alors, maintenant, on passe à hors nourriture, c'est-à-dire des choses pour la maison. Hygiène, c'est hygiène de la baraque, oui, exactement, pas l'hygiène à l'humain, quoi. Donc là, ce qu'on teste sur ma scie, c'est des éponges comme ça, ça sert, ah là là, ça sert, ça part si vite. J'ai rajouté ça, j'aime beaucoup, moi, les microfibres comme ça, plusieurs couleurs, etc. C'est quelle marque? Vilula. Deux paquets de Colgate, comme ça, deux tubes de 75 ml, triple action, donc protection carie, blanc, dents blanches. Et haleine fraîche, bah écoutez, on est plutôt contents, hein. Le but, c'est pas de puer de la gueule, j'ai envie de dire. Là, c'est des brosses à dents que j'ai rajoutées parce que mieux vaut en avoir toujours en plus, hein, exactement. Donc là, c'est des médiums comme ça, aqua fraîche. Et là, c'est des autres de chez Signal, toujours médium. Et comment dire, pour les enfants, alors pas tous, mais c'est 7 ans et plus. Donc là, c'est menthe douce Pokémon. Ouais, 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 c'est des Pokémon. Marque Signal. Ensuite, là, vademécum pour mes filles, etc. Ça, moi, je trouve ça plutôt pas mal le matin après qu'ils soient brossés les dents. Bref, vous avez saisi. Je pense que vous avez saisi. C'est super bien. C'est fraîcheur naturelle. C'est à la menthe naturelle. La marque vademécum bio. Le pour histoire de sentir bon du... Le buccal, buccal. Vous avez compris? Voilà, tout ce qui est buccal, il est prêt. Ici, dissolvant pour les ongles, j'en ai à la maison, mais j'en ai rajouté un. Là, c'est de la marque, on ne sait pas, mais c'est pas grave, on sait ce que c'est, du dissolvant. Et là, c'est la première fois que j'achète ça. Vous savez, c'est les cotons-tiges comme ça, non blanchis bio. Et en fait, c'est des boîtes comme ça, recyclables, donc j'en ai pris 3. Il y a 200 bâtonnets par boîte, et le truc, la marque Lotus... Mais dedans, vous savez, c'est, là, c'est les bouts blancs. Mais après, au milieu, c'est comme du, comme cette matière-là, un peu, vous savez, matière un peu bambou, je sais pas quoi. Je sais même pas comment on peut dire ça. Quand il y en a plus, il y en a encore un. Ça, c'est une brosse à dents. 6-12 ans pour une de mes princesses encore. Bon, bref, il y a même le de chez Elmex. C'est marqué Junior. Il y a même le petit dentifrice avec... Là, c'est la croix, comme ça, pour les toilettages. Oui, oui, pour les toilettes, là, comme ça, parce que les toilettages, il faut les nettoyer à fond de page. Donc, hop, donc c'est 3 en 1, désinfecte, nettoie et blancheur éclatante. Tue 100% des microbes et bactéries. Ben, heureusement, parce que les toilettes, il faut les tuer, les microbes. Ensuite, on a finish, comme ça, pour le lave-vaisselle. Hop. Après, Sun classique, comme ça. Vous savez, le liquide de rinçage, alors j'ai rajouté, hein, j'en ai, mais c'est des suppléments parce qu'il y a plein de choses que j'ai fait en sorte qu'il y a, entre guillemets, vous saisissez, hein, quand on est une famille. Moi, je pense que après chacun fait comme il veut, etc. Il n'y a pas de jugement sur la chaîne et ça, vous le savez, hein, depuis le temps. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que, voilà, nous, en tout cas, moi, j'aime bien quand il y a du stock. Voilà, ça que j'ai voulu dire. Après, j'ai pris ça, je ne le connais pas, de la marque Auchan. J'en ai d'autres là-bas, c'est... dégraissant mais à la pomme. Là, j'ai pris cela en plus petit, comme ça, c'est les 500 ml, ouais, sans colorant, mais c'est agrumes. Donc, les liquides vaisselle, comme ça, tout transparent. Là, un pour les chars, oui, exactement, les shampoings très doux aux œufs. Ah, c'était à l'ancienne, ça, moi, j'aime bien. Moi, ça me rappelle mon enfance et tout. Ah, moi, dop. Alors là, je valide à 1000%. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, dop, comme ça. J'aime bien aussi celui à l'amande. Là, j'ai pris celui aux œufs parce que réellement, il n'y avait pas de choix sur le site, là. Il y a un deuxième liquide de rinçage. Franck Provo, les shampoings. Au beurre de karité, cheveux secs, 750 ml, 750 ml. Et il y en a deux, le shampoing. Ça, c'est trop bien pour nettoyer les canapés, les moquettes, les, tout ce que vous voulez avec les enfants. Quand on a des gosses, c'est bien d'avoir ça, ouais, ouais, exact. Du Dove, comme ça, par deux. Quoi, du moins, pas par deux, mais j'en ai pris deux. Et c'est de la crème de douche, huile et crème, sur gras nourrissant, parce que moi, je suis tellement sensible que sur gras, c'est très bien. Et par contre, la senteur, je ne sais guère, mais en tout cas, on verra. Celui-là, je ne le connais pas. Comme ça, senteur orange, là. Waouh, une tuerie, il sent trop bon, gel douche. Donc là, il y en a deux. Un autre gel douche, mais celui-là, c'est bien parce qu'il fait corps et cheveux. Kadom. Donc ça, ça sera plus pour mes enfants. J'ai rajouté ça, que je vais descendre, hein, bien sûr. Alors, du coup, non, parce que je ne peux pas tout mettre dans le cellier. Alors, comment dirais-je? Je déteste, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'aime pas voir un cellier encombré.
Je sais pas comment expliquer ça, c'est très étrange, mais moi, mon cellier, je veux qu'il soit. En fait, je veux que les tiroirs, les celliers, chaque pièce respire, sauf en bas, parce que c'est fait en fait pour faire du stock. Mais et encore, il faut que même en bas, ça soit bien fait. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, bref, autant. Allez, hop, next. Ariel, comme ça. Eh ben, écoute, c'est un ultra détachant. 31 machines. Voilà, j'en ai pris deux comme ça, les amis. Mix à bébé. Oh là là, j'en avais envie. Odeur du mix à bébé. Donc, c'est format familial, 750 ml. Ça va aller dans la douche de mes princesses. Corps et cheveux. C'est, tout le monde connaît ça. On peut pas faire mieux. Ah, j'ai pris ça aussi pour les toilettes. Page. Oui, oui, tout à l'heure, c'était à la Javel. Et là, cette fois-ci, c'est canard. Et action visible, change de couleur, 100% détartrant. Oui, il faut que ça brille, les toilettes. C'est pas nickel, comme je disais, quoi. C'est normal, donc, Mister Détartrant, là. Ensuite, Nivea sensitif, comme ça, j'ai pris ça. Alors, c'est pour mon mari. J'en ai pris deux, trois en un. Ça fait corps, visage et cheveux. Ça veut rien dire si deux fois j'ai envie de tester. Moi, je vais tester, je vais pas vous mentir, franchement. Alors là, c'est du combien? 250 ml, 250 ml. Ça là, ces trucs là qui nous énervent tant là, j'en ai pris il y a pas longtemps, il en reste. Mais encore une fois, stockage, non mais on n'a pas le choix, c'est un truc de ouf. C'était 3 achetés parce que quand on prend, vous savez, des courses, pas en magasin là cette fois-ci, mais là je vous parle des courses que j'ai pris là justement au champ mais en drive. Là, c'était 3 achetés. Mais on n'en paye que 2. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui, oui, vu les prix, c'est plutôt bien. Donc c'est des sacs poubelles, comme ça, on s'en fiche. On a 6, justement. Ça, c'est pour nettoyer le lave-vaisselle, comme ça, de la marque Auchan. Ensuite, j'ai pris ça. Hop, j'ai d'autres choses aussi là-bas, mais du coup, j'ai rajouté ça. Et c'est un Monsieur Propre Citron d'été. Je m'en rappelle plus. Ah, on a tous testé toutes ces choses-là, mais là, comme ça, je ne me souviens plus de son efficacité. Donc, hop, Monsieur Propre, comme ça, au citron. On va voir si je vais kiffer. J'ai un autre Nivea Men, comme ça, donc pour homme. Et là, cette fois-ci, c'est toujours corps visage d'un 1, 3 en 1, vous avez saisi de tout à l'heure. Et là, c'est à l'aloe vera. Mais c'est stylé, ça, franchement. Et là, je lui ai pris à mon mari un lot de 2, comme ça, Adidas. On verra s'il va aimer ou pas, on ne connaît pas. Celui-là, c'est 2 x 250 ml. Donc, c'est After Sport. Shower gel. Donc là, c'est du gel douche de chez Gel Douche, apparemment. Hein. Pour la maison. Ça, j'en suis dingue. Je l'ai même dit à ma mère, etc. etc. Moi, je kiffe. Hein. Ceux-là, c'est mes préférés. Il faut que j'en aie à la maison. Ça se peut qu'un jour, je change d'avis. Mais en tout cas, pour l'instant, je les kiffe. Donc, j'ai fait un renouvellement. C'est savon de Marseille, ceux-là. Et il nettoie plein de trucs. Vraiment, là, il a marqué tout ce qu'il fait, etc. Je ne vais pas vous détailler parce qu'on va passer 300 ans. Mais je peux vous dire que c'est une marque-là pour nettoyer les plans de travail, les ceci, les cela, peu importe. Par exemple, celui-là, il va faire telle ou telle chose. Celui-là, telle ou telle chose. Mais franchement, c'est génial. Et celui-là, c'est l'alcool ménager. Pour nettoyer la baraque, moi, je les kiffe. Là, j'ai pris de la marque Auchan cette fois-ci parce que j'avais pas envie de prendre de la vraie marque. Donc, j'ai pris ça. C'est le, vous savez, pour détacher l'oxygène actif, là. Deux comme ça, c'est les petits ceux-là, j'ai pas pris les gros. Ça me saoule les gros. C'est bon, ça prend trop de place, donc ça pour histoire de détacher s'il y a une tache quelque part. Elmex, un dentifrice. Donc celui-là, il fait quoi? Dentifrice enfant, mais ils disent pas quel âge. Anti-carie, d'accord, 0-6 ans. Ça c'est bien pour mon bébé, ça m'a été offert. L'album comme ça, et j'ai eu plein, les étiquettes en fait, les cartes qui vont là-dedans. C'est plutôt pas mal. C'est tout ce qui est Marvel et la compagnie, quoi, vous avez compris. Hop, ah là là. Il y en a des choses à ranger, je reviens. Donc, j'ai rajouté ça. Dans du moins, c'est pas que je l'ai rajouté, c'est que je vais faire en sorte que l'autre disparaisse. Parce que l'autre, c'était de la marque, vous savez, la vraie marque, là, l'éléphant, je sais pas quoi, la vache qui rit, tout ce que vous voulez, la girafe, là. Sauf que moi, j'ai pris celui-là, là, franchement, ça fera très, très bien l'affaire. Je vois pas pourquoi, en vérité, dans ça, on met je sais pas combien. Pour être franche, ça va suffire très, très, très bien. Genre. Après, bon, ça, c'est des étiquettes que je vous ai dit qui nous ont été offertes. Hein. Il y en a plein qui va avec l'album. On va finir maintenant avec les boissons. Je suis exténuée, j'ai très mal au dos. On va pas tarder à manger, enfin. Je suis naze, là, j'ai fait les moules, je fais la préparation, tout ça. Bon, bref. Alors, on finit avec ça. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu prendre Oasis Ice Tea, comme ça. Donc, c'est une nouveauté. Hein. On ne l'a jamais prise, hein, cette nouveauté-ci. Donc, au final, j'en ai pris 3. Alors là, c'est du 0, j'en ai repris 6. Et il y en a du normal, comme ça, j'en ai pris 6 aussi. Je vous dis ça parce que là, pour l'instant, j'ai laissé dans le coffre.
Ouais, j'ai trop mal au dos, j'ai pas assumé, j'assume pas, je peux pas, j'en peux plus. Donc, du coup, j'attends les bras pour défaire tout ça. En fait, là, les deux comme ça, j'ai pris Coca-Cola zéro en canette. J'en ai pris deux, c'est pas 20 que j'avais pris, moi, c'était par 12. Et là, ils m'ont dit, il n'y avait pas par 12. Donc, c'est cool, moi. J'ai envie de dire, on va pas refuser, il n'y avait pas par 12, ils m'ont donné par 20. Comme je leur ai dit, moi, je suis gagnante, hein. Parce qu'ils font comme ça, en fait, le drive, je pense que vous connaissez. Quand il n'y a pas quelque chose, ils donnent le substitut. Bah, écoutez, merci. Ça, c'est le L, c'est comment je veux dire, c'est le LOL, le MDR, tout ce que vous voulez. J'en ai pris 6. Je pensais que c'était les 1 litre. Je me suis trompée, n'importe quoi. C'est les 50 centilitres. Kika est déglinguée. Maintenant, on passe au lait. Du lait comme ça, j'ai pris exprès pour mon bébé Nesrine. C'est du 50 centilitres. Et il y en a 4 packs comme ça. C'est des petits exprès. C'est pas les 1 litre. C'est bien pour son biberon. C'est super pratique. Perrier, j'en ai pris 3. Il me semble pas 4. Hein. Non, 3. Comme c'est dans ma voiture, mais c'est ça, 3. Pas moi, en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est le Perrier, celui-ci. Il y en a 6 fois 50 centilitres. Saveur citron vert comme ça. Moi, je kiffe le Perrier. Franchement, j'en suis dingue. Donc, je prends ça pour moi de temps en temps aussi. Mon mari, quoique, il en prend. Ça, c'est pour aller tout de suite dans le frigidaire. Je suis 100% recyclée. Tropicana, comme ça. Sans guine, sans sucre ajouté, 100% pur jus. Ça, c'est bon. Ensuite, du coca, comme ça. Moi, je bois pas. C'est pour tout le monde, sauf moi. Le coca normal. Et il y en a combien? Tu m'as dit des packs? Parce que je sais plus. 4. Et ça, c'est plus dans mes cordes, j'ai envie de dire, ce que j'ai le droit de boire. C'est du zéro. Donc là, c'est Pepsi, par contre, 4 fois 1,5 litre. Et j'en ai pris 10. C'est un sirop de grenadine pur sucre. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Arôme naturel. Et au final, c'est 70 centilitres. Mais c'est du... Hop là. Tac, tac, tac. Il y a quelqu'un. C'est en verre. Et là, moi, j'en ai pris comme ça 4. Il me semble que c'est ça, parce que comme je vous dis, c'est dans le coffre. Soit 3, soit 4, j'ai oublié. Je deviens gueudin, je zabite. Donc du coup, non, j'ai pas pris 6 chérie, non. J'en ai pris 4, et parce que ça, c'est moi qui bois ça. Personne boit du lait à la maison, je vous explique. Mais ça, c'est parce que c'est pas que je le bois. Hein. Moi, je prends du écrémé, le vert, c'est le plus léger. Pourquoi? Parce que je fais des entremets, des flans entremets à la vanille. Je me suis changée très rapidement, là, ça y est, c'est la fin, j'en peux plus, je craque. Ça, j'en ai pris 2. Goût multivitamine, vous savez, multifruit, pardon. Oulala, j'ai des bêtises. 2 comme ça de la marque Auchan, ça y est, les petites bouteilles et tout, les gosses ils kiffent. J'ai pris 1 comme ça à l'Oasis parce que j'ai pas trouvé les bouteilles. Donc du coup c'est pomme cassis framboise et on a 6 comme ça pareil en bouteille, super pratique pour les nounoutes. Et au final là c'est Schweppes zéro, c'est pour moi, c'est du zéro, c'est du Schweppes, j'aime trop. 1 comme ça, j'en ai bu une dans la voiture mais j'ai acheté 3 comme ça. C'est le Perrier ananas mangue. Moi j'aime beaucoup. Ah là là les amis, voilà pour ce gros retour de course. Je suis explosée, j'ai fait du mieux que je peux pour vous montrer. Je suis vraiment KO. Par contre là, je vais vous montrer ce que je me suis pris très rapidement à Carrefour. C'était sur place là par contre et c'était pas du drive. Je me suis pris comme ça, un petit pot comme ça. Hein. Je connais pas du tout. Hein. Vivelle Dope, c'est pour se coiffer. Cire crème aux vitamines. Fixe sans figer. Parce que deux fois comme là, quand je vais me plaquer les cheveux, j'ai envie de dire, ça peut être pratique peut-être. Donc, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Ça, c'est à Carrefour, là, maintenant, sur place. Hein. Je me suis pris ça comme vernis, ça aussi. Donc, ça, c'est pour un soin. Donc, le violet, c'est soin fortifiant des ongles fins. Jusque 70% plus épais en 4 jours, celui-ci, le violet. Et le bleu, c'est fortifiant intensif pour les ongles très fragilisés. Des ongles 50% plus résistants en 3 jours d'utilisation. Donc dans les deux cas, moi ça me plaît bien, ça, je trouve ça bien de donner des vitamines aux ongles. Et un autre, mais c'est de la marque Sally Hansen, soin croissance, etc, etc. Donc là c'est pour la croissance, donc soin croissance action rapide pour des ongles jusqu'à 30% plus longs en 5 jours. Je me suis pris un vernis, je ne connais pas, de chez Bourjois, vous savez, du papier comme ça recyclable. Vegan et la compagnie sauf que celui-ci c'est un vernis à ongles la reine des quoi des beiges la teinte 150. Moi franchement je suis franche hein. Vegan pas vegan moi je prends et j'ai pris un super stay comme ça couleur un peu violine j'ai déjà tenté ça là
On en a toujours besoin. C'est des quoi? Bah, c'est des mini élastiques comme ça, surtout pour mes enfants. Je trouve ça super pratique. C'est des élastiques plus précisément en mousse. Et ça, quand on veut... Alors là, c'est quelque chose que j'ai pas pris au moins depuis plus de 20 ans. Et encore, je suis gentille, même plus. Mais ça peut être super bien, pince mèche. Faut pas oublier que j'ai changé aussi mon seau. J'avais envie de changer. J'ai failli faire tomber. J'avais envie de changer de seau, donc j'ai pris celui-là de la marque Carrefour et pas celui de l'éléphant, etc. Comme je vous disais tout à l'heure. Sortant de Carrefour, avant d'aller chercher mes grosses courses, que je viens de vous montrer du drive, hein, les courses du mois, on se comprend. Je suis sortie et j'ai été à Maxi Game, juste en face des caisses. Et j'ai kiffé parce que je me suis pris, j'en ai eu pour 62 euros et quelques, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est des billets, plus précisément. De collection Pokémon. Donc là, on a un billet comme ça, épais, magnifique. Et derrière, il y a ça. C'est trop mignon. Regardez, je sais pas si vous verrez bien, mais... Il y a tous les personnages. Ouais. Donc là, c'est un plus. Hein. Vous pouvez quitter la vidéo pour les personnes que ça n'intéresse pas. C'est normal, ça. Une autre qui est comme ça. C'est 5 euros la carte, imaginez. Hein. Approximative, bien sûr. Ensuite, celle-ci... C'est magnifique. Et hop, c'est toujours Pokémon, mais cette fois-ci, c'est Tortank, lui, je crois. Pikachu. Franchement, ils sont magnifiques. Hein. Là, c'est un Pikachu déguisé. Et celle-ci, c'est... Comment il s'appelle, mon ami Medpa. Comme par hasard, toujours quand... Florizarre. Ou je dis une bêtise. Ou Kara. Bon. Next, parce que c'est toujours... Bulbizarre, Florizarre, c'est des extensions, bref. Et là, j'ai pris du Dragon Ball Z. Donc, on y va. On a lui. Je sais plus comment il s'appelle, hein, mais je le connais. Mais après, on a les personnages principaux. Les personnages principaux qu'on connaît tant, qu'on aime tant. Dragon Ball Z, c'était tellement bien à l'ancienne. C'était vraiment... Et derrière, il y a toujours quelque chose... Vous voyez, il y a d'autres dessins. Hein, je vous fais ça rapide. Hein. Hop. Et la dernière. Ah, il m'a pas mis, ma. Il faut que je vérifie. One Piece. Là, j'ai pas vu ma One Piece. Donc, soit il me l'a mis. Je sais pas. Je ne vois pas ma copine One Piece. Donc là, je suis pas très contente. Là, je vais retourner le voir. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouais, il manque One Piece. J'avais pris une One Piece, mais bon, tant pis. Inch'Allah, je retournerai. Bah, la preuve, regardez, c'est pour mec, hein, pourtant, quoi, c'est mixte, ils disent que c'est mixte, parce que moi, je l'ai acheté à Aéroville, dans la boutique, oh, manga, je sais plus quoi, oh là là, j'oublie tout le temps leur nom, en plus, j'y vais, je m'entends trop bien avec eux, et du coup, non, c'est mixte, ouais, Manga City, Next, et j'aime bien, ouais, j'aime bien, ça change et tout, c'est plutôt sympa. Bah écoutez les amis, là c'est fini, donc je vous remercie pour toutes les personnes qui ont regardé, d'ailleurs, les personnes qui sont restées jusqu'au bout, mettez carte. Gros bisous, à bientôt, Inch'Allah. Ciao.